remercier le président pour son accueil, mais j'aimerais également remercier tout le peuple béninois parce que l'accueil qu'on a reçu ici au Bénin depuis hier soir et ce matin et, par le président était absolument formidable. On se sent chez nous et effectivement aujourd'hui Cotonou, c'est la capitale mondiale du football. Et je suis d'autant plus heureux parce qu'on a pu voir au cours de cet entretien avec le président que c'est un véritable passionné de football, comme tout le peuple béninois d'ailleurs, mais le président a une énergie toute particulière et je dirais peut-être unique, certainement exemplaire. On a pu parler de ce qu'on va faire ensemble au Bénin pour développer le football avec la Fédération béninoise, mais on a pu constater, et j'ai pu personnellement aussi constater, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi venu, du travail qui est effectué par le gouvernement, par le président, par le ministre ici des Sports, auquel j'ai demandé de changer le nom du ministère en ministère du football, mais bon, voilà, on va discuter, on va négocier ça plus tard, mais vraiment l'engagement et les travaux qui sont effectués aujourd'hui partout dans le pays pour le développement non seulement du football, qui est le sport roi, mais de tous les sports, et en particulier des quatre sports principaux, avec un engagement très conséquent sur les infrastructures, sur l'éducation, sur le développement. Et c'est exactement le même axe qu'on a nous, avec un travail, avec un sérieux. Et j'aimerais féliciter vraiment officiellement et publiquement, parce que je l'ai déjà fait en privé, le président, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de ce pays. Comme on disait lors de la réunion, ce n'est pas des dépenses et des investissements. Et des investissements pour nos jeunes, c'est notre futur. Donc, c'est dans ce sens-là un président Talon, un président visionnaire, mais qui a l'énergie pour mettre en pratique ses visions. Et nous, à la FIFA, on est fiers, avec la Fédération béninoise de football, d'être à ses côtés pour le soutenir dans ce sens. On ne peut pas, évidemment, amener des joueurs, ça c'est pour les qualifications, c'est au développement du football dans le pays de faire en sorte, mais avec le talent qu'il y a, vous savez, avec la passion qu'il y a dans ce pays, l'enthousiasme, un peu de structure qu'il faut, et on sait par où est passée cette fédération ces dernières années, malheureusement. Maintenant, avec le président Mathurin, on est sur le bon chemin. On va travailler ensemble. On va d'ailleurs tout à l'heure voir le centre technique. C'est un projet très important qu'on regarde au niveau de la FIFA avec grande attention. On veut vraiment que le Bénin et la Fédération béninoise de football soient un exemple, je le disais tout à l'heure au président aussi, soient un exemple, pas seulement pour le peuple béninois, pas seulement dans la région, mais vraiment qu'on puisse montrer cet exemple dans le monde de ce qu'on fait. Et je pense que les ingrédients sont là. On doit travailler la main dans la main, la fédération, le gouvernement, la FIFA, la CAF. Et on est là tous ensemble pour faire avancer le football. Et le centre technique va jouer un rôle principal dans ce développement. Nous sommes très fiers et très heureux de recevoir le président Infantino, qui a conduit lui-même une forte et belle délégation ici. On a la secrétaire générale de la FIFA, un vice-président de la CAF et un certain nombre de personnalités. C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette visite historique. Vous l'avez mentionné, c'est la première fois qu'un président de FIFA met le pied au Bénin. Et puis, nous avons été heureux que le président ait été sensible au programme qui est mis en route ici par le gouvernement du Bénin et ait accepté de signer avec le Bénin ce mémorandum d'entente sur le sport à l'école.
C'est également une première. C'est la première fois que la FIFA signe un mémorandum d'entente avec un État. Et c'est parce que, justement, ce programme que nous avons mis en route, les classes sportives, rentre dans la droite ligne de ce que la FIFA ambitionne de faire pour le développement du sport à l'école. Nous avons saisi cette occasion pour présenter également au président Infantino le programme des associations sportives communales, les académies départementales et l'ambitieux programme d'infrastructure. Vous le savez, 22 stades sont en construction au Bénin, 34 autres vont suivre en plus des académies. Et donc, pour la jeunesse béninoise, pour ces milliers de jeunes qui sont dans les communes du Bénin, qui ont recommencé à rêver, nous sommes très heureux et je veux dire une fois encore, au nom du gouvernement, merci au président Infantino. Le Bénin a été malade pendant longtemps. Vous vous souvenez que le 6 avril 2016, quand le président Talon prêtait serment, le Bénin était en crise. Nous avions promis à l'époque qu'en quelques mois, nous allions définitivement tourner cette page. C'est le lieu de remercier tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette crise. Et une fois encore, pour le public béninois, pour les sportifs, pour ce pays qui renaît, qui se révèle, nous avons réussi à dire que nous sommes l'exemple, Monsieur le Président, nous allons rester l'exemple. Vous avez cru en nous, vous serez fiers de ce que nous accomplirons ensemble.